Mecha bête in, je crois que je vais prendre aile de mort. Mecha démon bête. Vol'jin sans. Sans naga, c'est un peu dommage, des Uran, mais bon. Ah, c'est vrai que c'est pas les héros qui font le plus rêver, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Espérons avoir un bon setup avec Aile de Mort, mais. Clairement, c'est pas le héros que je voulais le plus voir ici. Comme First Pick. Je rappelle le format 3 parties. 3 parties, objectif top 4. Et là, c'est le top 48 monde, Lobby Legend numéro 8. On voit pas les pseudos, c'est normal, c'est une des règles. On doit faire comme ça. Je pense que je ferai une GIF Curve et hop sur les sacs ici gold. Parce que ta 22 m'intéresse pas forcément tant que ça. Et j'ai envie d'avoir. Après, il faut voir les shops quoi. Mais si je peux avoir des rares d'agonie rip-hop avec elle de mort, c'est cool. Hein. Profiter du plus 3 attaque. Je vais essayer de pas trop ouvrir ma gueule pour se concentrer. Mais c'est pas évident. Le pirate est bien. Pour faire une GIF curve. Et je peux roll pour trouver micro-momie, toutou, chat. Et roll. On peut placer comme ça s'il a effectivement mousse, ce qui est probablement le cas, je vais mettre plus de dégâts. A mon avis, il a mousse. Il n'a pas posé le tour d'avant. Yep. Du coup, il met un poids de dégâts en plus sur les sorts prisonniers devant. Si je tombe contre un mec qui rush 3, je peux garder la carte en masse, sauf peut-être contre Macaron. Macaron, ça peut être plus compliqué. C'est sûr que je le prends. C'est sûr que je hop. Oui. La question, c'est ce que je pose. Sur menace, je perds. Sur clan, je perds. Bon, Unlucky s'il a pris un clan, quoi. Puis il a pas voulu repouvoir des bêtes. En vrai, c'est vraiment rare que je perde ici, je pense. Je pense pas que c'est une bonne idée de le jouer. Ça peut être trop bien pour la quête. Cri de guerre ou invoquer. Ou même jeu bête. C'est vraiment peu probable. C'est très très improbable. Il a même pas posé. Parce que lui s'attendait à perdre en fait. Puis par rapport à ce qu'il a eu, il savait probablement qu'il perdait hein. Aussi, c'est possible. Alors. Vos serviteurs ont plus 4 d'attaque, ce qui fait une bonne combo avec ça. Hein. Après, il va falloir trouver des synergies. Recruter 9, je crois que ça le plaît. Hein. Je crois que je hop et je prends ça. Deux démons. On va clairement jouer une game tempo mid-game à première vue. Après, ça dépend si on chope pas trip, si on peut chercher un 6 ou autre, mais. Clairement, on va vouloir jouer avec plus 4 d'attaque et plus 3 attaques. Du coup, les cartes broken, ça va être menace répliquante, ça va être des déflectos, ça va être Clandera, ce genre de choses. Et les gros counters, ça va être potentiellement Dynamiteur qui est très dangereux pour moi. Est-ce que le placement est bon? Pour en faire ça.
Il a rush 3 et là il vient d'acheter 2 plus hero power. Enfin, pas sûr qu'il ait hero power mais il y a des chances. Peu de chances qu'on perde, mais c'est possible s'il a eu un chop de fou. S'il a eu Cordera typiquement. Hein. Cordera, de toute façon les mecs qui chopent Cordera contre moi c'est terrible. Et si moi je chope Cordera c'est incroyable. Ouais, Cordera. Voilà quoi. Un peu OP. Et nous pour château on peut roll double achat et on espère choper des mori pop. Des bonnes cartes, des mori pop. 100% nice. En même temps c'est vraiment rare les scénarios où je perds. Hein. Si ce n'est que Cordera principalement. Il y a eu un bon shop dans l'idée de Uran. C'est quand même un très bon shop. Même si t'as pas encore de bouclier, il y en a beaucoup dans la partie. Deflecto est cool. Le reste est pas si intéressant. Juste prendre Deflecto et Roll, je pense. Après, c'est pas une mauvaise carte, hein. Juste. J'arrête de me dire que pour Niamiteur, pour après, ça peut être bien, quoi. Mais. Genre, de toute façon, Deflecto il survit au Niamiteur. C'est juste pour Cordera, j'en ai pas encore. Non, je vais Roll, je pense. J'ai plus besoin de Ripop là. De bon Ripop. On peut prendre le pot à plume. Si je chope Cordera, je suis juste gigantesque après. Oh putain de merde. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pouvais pas poser. Est-ce que c'est ma connexion? Je sais pas du tout. Oh putain de merde. Bon, j'espère que je vais pas avoir de problème après. Ça c'est bien. On peut peut-être up. On a le droit d'emote. Hein. J'ai clairement envie d'acheter ça et de up. Parce que là, du shop est pas fou. Je crois que je vais le faire direct. Tant pis s'il up pas. Je vais regarder si j'ai des. Non, normalement, regardez, c'est fluide, hein. Je peux changer rapidement les serviteurs, là, les déplacer. On est sur Europe, c'est fluide, mais je sais pas ce qui s'est passé. Bon. En étant 4, je vais pouvoir essayer de trouver du méca tank qui peut être très bien avec ce qu'on va essayer de faire. On peut trouver de l'ennui module, on peut pick de l'engin, on peut trouver... De la matrone pour moi qui peut être bien. On peut trouver de la savane. Toujours le Cordera, etc. qui sont bien. Les menaces répliquantes. Des aides de shield, tout ça. On va perdre, hein, mais bon. Au moins on est 4. Ah, quasiment tout le monde est up 4. J'ai pas de chance de le tag là, lui. Et il triple. Ah, dis-moi que tu gardes en main, tu vas pas prendre 4 contre moi là. Ah, il a gardé en main, let's go, bonne nouvelle. Il a une menace en flat. Non, c'est cool, il a gardé en main. En même temps, il était short niveau temps sur la fin. Sa quête est assez facile hein. 20 serviteurs à laisser mourir pour respect, c'est cool. Surtout avec la menace. Onyxia qui était resté 3. Ça, je peux pas tirer grand chose. J'ai bête, méca démon, ça m'intéresse pas trop. À moi de virer les bêtes, mais si je trouve pas une autre bonne bête, c'est chiant. Après, est-ce qu'on va pas forcément les virer? Oui, mais je suis pas sûr d'avoir une bête. Ouais, non. Corol, je pense. Juste Corol.
Jongleur est pas dégueu. Goal pick. Je peux roll, double vente, double achat. Ça va être le plan. Non. Ok, nice. Nice, wow, nice. Ça, c'est une tempo de malade. Hein. Bon, le problème, c'est que j'ai plus de bêtes. J'ai plus de bêtes. Mais bon. J'ai double mes 4 tanks, jongleur. Eh, je suis. Tu veux pas me taguer en mid-game là. Sauf si le mec a dynamiteur, là, je serais triste, mais. Oh, bah, y'a plus de bêtes. Alors, ça manque un peu de rip-hop. Mais c'est ce qu'on va chercher après. On va chercher de la menace. On va chercher. Clordera. On va chercher un maximum de rip-hop. Savane. On pourra virer lui. Taunt lui, probablement. On va voir ça après. Je vais même reculer lui, comme ça, vu qu'il meurt pas autant. Autant laisser les trucs mourir avec mes 14. On va mettre des gros dégâts normalement. Après, il y a moyen que le mec ait des nuts, mais. Genre, double mes 14 en jongleur, c'est vraiment insane comme ça sur ce timing. Oh, il a le 4 gardes qui peut être très relou. Ouais, bon, c'est finito, je crois. Le 4 gardes est mort. Parce qu'en plus, 4 gardes, je crois qu'il marche avec ça. Hein. Donc, c'était ça la possibilité de win pour lui. Il snipe un méca tank, mais je pense quand même que c'est perdu avec l'autre qui est mort. J'espère en tout cas. Il y a les dragonnets quand même qui sont très 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 chiants. Hein. Heureusement, ce méca tank survit. Ah, il va peut-être me battre avec un dernier ripop dragon. Il va me battre quand même, c'est ouf. Hein. Dommage. C'était vraiment improbable qu'on perde ici avec le board qu'on avait. Je pensais vraiment qu'avec le 4 gardes qui mourrait quand même assez vite, ça allait suffire, mais. Nope. Les dragonnets ont fait le travail. Ok, on va roll. Il a déjà validé sa quête. Moi, il me manque 3, donc je peux la valider probablement maintenant. On va chercher des rip-hop. Hein. Je pense pas que je prends golem quand même. Hein. Peut-être t'es ça. Protéger à fond eux. Peut-être mettre une menace dessus. L'hydre aura quand même pas mal d'attaques sur le mid-game, mais est-ce que je la prends? Bof. Ça c'est cool. Je peux me prendre ça pour valider. Virer ça. Hop. Est-ce que je prends ça pour protéger mes 4 tanks? Genre je les passe tous les deux à 4, ça évite qu'ils meurent sur dynamiteur qui fait 3 en AOE. Parce que vraiment dynamiteur, je lose instant autrement. Je pense que je vais taunt Savane. Et roll. Ça peut être bien sur jongleur aussi, j'allais le dire. Ça peut survivre aux 3 points de dégâts. Festival. Ouais, j'ai pas d'agli, j'ai préféré. J'ai pas de lui au final, j'ai tout de Savane parce que je voulais être sûr que les ripop meurent pour synergiser. Moi, la game, on est censé mettre des gros dégâts, hein, genre pour le moment les mecs contact ils sont quand même bien résistants. Puis j'ai perdu un combat où j'étais favorable, là je mets average 11k, je mets 9. Un peu dommage. 11k c'est dans 80% des cas, ça veut pas dire que ça met forcément ces dégâts là, c'est pour ça que ça a mis moins. On peut prendre la théière. Sinon j'ai pas de trip, j'ai joué du tempo pour le moment. Hein. Faut que la game aille vite, on va mettre des claques. Et puis si on triple ça on peut aller chercher un 6, mais... J'avoue que si j'up, je fais rien, il faut absolument que j'ai cherché un 6 en fait. Du coup il me faut un triple. Donc up... m'aidera pas vraiment là. Il me faut des menaces répliquantes. Notamment. Bon. On va virer ça.
Bon. Heureusement qu'on a touché il y a 2 tours, parce que là, c'est un peu passage à vide. 4 gardes, j'aurais pas la place pour les rip-hop. Ouais, pas trop de rip-hop, hein. Pas trop de rip-hop, malheureusement. Pas de triple non plus là-dessus qui aurait été cool. Genre, Crotale là-dessus pourrait être bien, mais il faudrait plus de taunt dans ce cas-là, ce serait compliqué d'en profiter vraiment. Compliqué. Est-ce que je vire ça pour Golem en attendant? J'ai un spec, mais c'est les specs officiels de Blizzard. Le hip-hop est quand même plus 7 d'attaque. Et j'ai synergie avec mes 4 tanks, donc je pense que je vais quand même le prendre. Ça fait chier, mais. Je veux vraiment gagner tous mes combats en mid-game là. Et si possible, mettre des dégâts. Mais bon, j'imagine qu'il joue quand même assez tempo. On va placer comme ça contre les cleaves, je pense. Au cas où. T'as les stats. Il a eu 2 contre-maîtres. Double contre-maître avec corruption à l'anima. Ce qui fait un board de fou malade. Et l'hydre est vraiment bien placé. Faut que ça tape à gauche absolument. Gauche. Ça va. Il était plutôt bon pour moi. Après, il a vraiment des stats de fou furieux. Mais en même temps, double contre-maître, c'est juste les notes avec Anima. C'est la carte que tu veux. On s'en sort bien. Après, c'est dur de dire avec notre board. On a déjà pris les dégâts, quoi. Mais bon. Ouais, c'est vraiment les notes qu'il a eu. Il y a déjà un mort. Un seul mort, c'est chiant. Il faut qu'il y ait rapidement un deuxième mort. Autrement, les gens peuvent en abuser. Dag, ça peut être relou contre moi parce que ça peut avoir beaucoup d'HP. Ce qui est relou contre nous, c'est des combos avec beaucoup d'HP. Et puis là, on manque de rip-hop, on manque de triple. Bah, 0, hein, tout simplement. Ok. Go prendre ça et essayer de toucher là. Non. Le fait c'est de tripler et trouver une menace, je pense. Parce que là, ça s'améliore pas tellement en vrai. Crotale là-dessus serait bien aussi. Bof. Aïe. 0 menace, pas d'ennuyo, pas de triple. Complicada. Ok, prochain tour, je peux aller théoriquement chercher à 6, mais c'est tour 11 quoi. Tour 11, c'est notre premier triple. C'est late. Pour être le plus fort, faut que je vire ça. Hein. Ouais. Ils sont quand même beaucoup être low, mais là je vais commencer à perdre et du coup j'espère que je meurs pas hors de tour en gros. Là ce que j'ai peur c'est de mourir hors de tour. J'espère survivre encore 2 tours et du coup pouvoir passer, arriver à faire 3 combats. Mais ouais, il a déjà bien scale. Et vu qu'il y a un mort, bah on peut prendre très cher malheureusement. Et là le problème c'est qu'elle cherche à 6, c'est un peu tard, donc je sais même pas si je vais pouvoir le faire quoi. Voir qui on tag, tout ça. Ça c'est bien. Je pense qu'on s'en sort bien niveau dégâts. Hein. On est dans la average, mais. Je rappelle la average c'est 80% des cas. Il y a toujours un seul mort, ça c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il y a tout le temps des gens qui peuvent le tag. Et pas nous, vu qu'on n'est pas dans les 3 derniers. On est deuxième, mais.
Ok, ça veut dire des gros stats, Saphir, c'est pas une bonne nouvelle encore. Si je peux chercher aussi, je peux essayer de choper quand même bois qui est vraiment bon avec notre pouvoir, avec notre quête. Et pareil pour Casseur Oméga. Je pense que je dois quand même. Tout ce qui est grand groupe terre, tout ça, c'est trop tard maintenant. Pareil pour des Théotards ou genre de cartes. Go. Faut des ripop. Des ripop, hein. Il y avait Mama aussi, je pouvais avoir une mantide qui était bien. Il y a des trucs bien quand même. Mieux que ça en tout cas. C'est de la merde. Charles Gage, je roll et je vais prendre en le ventre si je trouve un truc mieux. Est-ce qu'on peut trouver pire? On peut retenter un triple, c'est-à-dire que je joue avec un de moins, mais je pense que c'est quand même le play. Autrement, on peut pick Ara et Freeze. Parce que Ara peut reproc sur la savane et ça m'améliorera quand même d'avoir un max de ripop. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de faire ça. Je dois le mettre là. Pour proc sur la loot savane. Et avoir le temps de libérer des rip-hop, de l'espace. Double jongleur, c'est bien. Parce que les boucliers, c'est pas très gênant contre moi avec Mecha Tank et l'attaque. Ça, par contre, c'est gênant les stats. On a perdu un rip-hop, mais c'est pas forcément grave. Si j'arrive à proc le Hara avec savane. Enfin, tant que lui se fait pas sniper, en fait. C'est surtout ça le plus important. C'est dommage. Après là, il pouvait pas. S'il se faisait sniper, il mourrait pas. Donc c'était pas. Ça aurait été pas. Ça aurait... Ouais. Ça s'est pas très bien mis, quoi. Oh, ouais. Ah, ça fait deux combats quand même où on est à plus de 60% et on perd. C'est chiant. On peut tag à mort par contre, du coup. Nice. En contrepartie, au moins on tag à mort. Mais c'est vrai qu'on a perdu 10-15 HP un peu gratos là sur nos combats. Ok, faut survivre ici. Lui il risque quand même de mourir, il était quand même assez faible. Casseur Oméga. Cette démon, c'est-à-dire qu'il joue quand même les stats là, mais il a pas fait de triple. Il joue avec du Urzul. Je capte pas. J'ai quand même envie de se le protéger, mais il n'y a pas de jongleur à première vue. Mais bon, ça fait beaucoup de stats avec l'autre en plus. La transi va être compliquée, hein. C'est peut-être mieux de pick ça quand même que, que de garder le Hara. C'est quand même chaud à proc le Hara là. Par contre, j'ai quand même boosté le Mecha Tank. Je sais qu'Hara marche bien avec ça, mais c'est chaud quand même. Je pense que je vais quand même le mettre là. Je mets quand même derrière pour avoir l'espace sur le ripop. Peut-être je peux le mettre comme, quand même comme ça. En vrai, ouais, vas-y, on va essayer comme ça quand même. On va quand même essayer de le faire comme ça. Peut-être j'aurais dû mettre du coup le Deflecto ici, dans ce cas-là. Parce que le problème, si j'avance trop, j'ai pas beaucoup de ripop et je préfère avoir des ripop avec Mecha Tank vu le nombre de mechas que j'ai qui est très limité. Ouais, il a juste essayé de jouer tempo. Par contre. Le tracker se foutait bien de ma gueule. Hein. Ah non, c'est l'autre tracker qui bug. Ok. Le tracker est autorisé pour FO si vous posez des questions. On n'a pas le droit de Dikoroko. Et on doit absolument être en mode spec, entre guillemets. Enfin, pas mode spec, mais mode. Mode streamer en gros. C'est un mode streamer. On est top 4, c'est bien. Top 4, ça donne pas mal de points. C'est cool. Il joue une compo bête. 5 bêtes. T'as 26.
avec un autre corps caché. Il a perdu contre la Liche qui avait une grosse compo avec ses deux trucs super tôt. Je pense que je suis mort, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Zaps, je n'aurai pas le temps d'aller le chercher. Vraiment une grosse compo, Vaillant, Goldrin, tout ça. Peut-être qu'il joue avec... Ouais, ok. Go essayer de trouver un max de tempo, mais ça va être chaud. Des bons hip-hop là qui pourraient améliorer ou autre, ce serait cool. Clan, dans l'idée vraiment insane avec ce qu'on a. Je crois que je vais devoir le pick. Tour 13, j'achète un clan des rats. Un peu dur les shops sur cette game. Hein. Et on peut pick ça là-dessus, j'imagine. Voilà, on le met en cours ici pour essayer de protéger à fond. Je préfère quand même garder le jongleur avec ça plutôt que de garder ça pour laisser l'espace sur hip-hop. Oui, non, parce que lui, il faut que je le recule et il faut des trucs que je suscite devant. Prions. Si là, cleave et que ça cleave là, c'est pas trop gênant comme ça. Là, cleave, 100%, je m'en doute un peu, hein. Goldrin doré, Vaillant, Ara doré, Reborn. On n'a pas très bien touché. On a resté beaucoup 4, mais j'aurais pu avoir beaucoup plus tôt si j'avais touché à triple. Ce qui n'a pas été le cas. Et ouais. Après, c'est la même chose pour d'autres. Hein. Typiquement, Macaron, il a le même problème que moi. Il a pas touché de triple, ou en tout cas pas assez tôt. Moi, j'en ai touché A, mais. Toron, c'est un peu tard pour se dire, allez. On a un plan de jeu. Faut jouer tempo du coup. Après, top 4, ça donne beaucoup de poids dans ce format-là. C'est quand même cool. Ce serait mieux qu'il y ait un autre mort, mais je pense pas que ce sera le cas. Mais si on fait que des top 4, on est quasiment sûr d'être qualifié pour la phase suivante. Waouh. Top 3 ennemis, c'est vraiment bon. Hein. Là, c'est partage de poids, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le système des poids, c'est de 0 à 7. Le premier prend 7 poids, le dernier 0 points. Et là, du coup, en finissant. 3, je suis pas 3ème, je suis 3 ex aequo, les poids sont partagés, donc je prends pas 7, pas 6, je prends 5, mais pas 5. Le 4ème a 4, du coup je prends 4,5. Et lui aussi. Donc c'est-à-dire qu'au classement, là il y aura un mec qui aura 7 poids, l'autre 6 poids, moi 4,5, lui 4,5, et puis eux 3, 2, 1, 0. Et objectif. Ouais, globalement 12 poids, 12 poids normalement ça passe quoi. 12 poids en général ça passe donc. Donc voilà, alors je peux pas spec la suite malheureusement, ce sont les règles, donc on va attendre que la finale se fasse. La Liche est quand même morte, elle avait un bon setup, après c'est le setup de top 4, elle a double contre-maître. Enfin, top 4 plus quoi. Genre il était bien plus fort que moi, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais, après Onyxia nous a battu sur un fight favorable, pareil Pyrite, si je dis pas de conneries. Mais bon, on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire essayer d'aller chercher une game... Descente. Mais encore une fois, si je touche un trip très tôt, clairement j'essaie d'aller chercher un 6, je peux partir sur un plan de jeu grand groupe terre ou. Après en groupe terre c'est un peu dommage, ce sera démon parce qu'on profite moins de notre pouvoir et de notre quête. Le mieux serait d'aller chercher une grosse compo Omega, Mecha, Reborn ou une grosse compo bête. Reborn. Et là ça match super bien avec le pouvoir et la quête qu'on avait. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la première game du coup des Lobby Legends, il y en aura 3. Et si on finit top 4, ben, on avance à la phase suivante. C'est le top 48 monde. Du coup, ben, j'attends là. J'attends d'avoir les infos. C'est ce qui est très relou dans le format. Et surtout, ben, aussi avec le... Parce que les gens me disent souvent, c'est chiant, on peut pas spec les games. Moi, j'ai envie de dire, je m'en fous, mais là, typiquement, c'est relou. Là, on peut spec en plus qu'on les a en ami. Genre, c'est vrai que contre des randoms, tu peux pas spec. Ici, en soi, je peux spec, mais si je spec, je me fais ban. C'est interdit de spec les autres joueurs. Pour éviter tout risque de triche ou je sais pas quoi. Dans l'idée, ça me paraît un peu bête parce que si t'as deux mecs qui veulent tricher, ils peuvent quand même tricher. Genre, ils peuvent s'envoyer des messages ou autre. Au final, c'est plus le côté stream, divertissement qui est.
qui est un peu impacté par ça. Pareil pour mes autres collègues streamers, que ce soit bah, tous les joueurs qui doivent faire Lobby Legend, là, XQN et j'en passe. Je sais pas, je crois pas qu'il y en a qui stream dans mon groupe. Je crois que je suis le seul. Je peux vous montrer les groupes d'ailleurs. Donc Lobby A, Shiruza, Gutmit, que vous connaissez peut-être. Il y a Sliders qui est français ici. Bon, je vais pas tous les citer, il y a plein de très très bons joueurs, Aodragon, tout ça. XQN, j'ai cité les Européens que vous êtes censés connaître, j'imagine. XQN qui est dans le Lobby 2. Avec je sais pas trop KFR. Signoral qui est européen, Satellite on connaît, joueur japonais très très bon également construit. Matsuri, le mec qui stream 20 heures par jour, c'est une dinguerie. Je pense honnêtement, je pense que si je compare son temps de jeu à Matsuri et le mien, vraiment je pense qu'il a minimum, je parle bien minimum, j'allais dire 5 fois mon temps de jeu, mais c'est bien plus. Ou global, hein, sur tout le temps de jeu confondu, je pense qu'il a, il a bien plus que 5 fois mon temps de jeu, c'est une dinguerie. Apparemment la game c'est fini. On n'a pas quoi d'info. Merde. Et pour les autres trucs. Je vais regarder si Vince m'a pas envoyé un message, voir si tout est ok, tout ça. Ça a l'air bon. Ah, j'ai un message pour Lobby 6. C'est nous le Lobby 6. Voilà, on a les points du coup. 4 ennemis comme j'ai dit, on est 3ème pour un moment.